Bonjour, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute spécialisé dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Aujourd'hui, notre capsule, le renforcement des muscles intrinsèques du pied. Ces exercices peuvent être très intéressants pour les personnes qui ont une surpronation ou les coureurs auxquels nous avons retiré une orthèse plantaire. Nous allons demander au patient de supporter l'arche de son pied avec sa musculature. Pour cela, différentes consignes sont possibles. La première manière de faire est de lui demander de faire une inversion, de redescendre la première tête métatarsienne pour garder une bonne pression sur la carte, mais sans compenser avec les longs fléchisseurs des orteils. Ce qu'on ne désirera pas, c'est que les orteils viennent gripper le sol. De cette manière-là, on peut observer un arch soutenu par la musculature intrinsèque du pied. Si je demande au patient de relâcher sa musculature, nous pourrons observer un affaissement de l'arche plantaire. L'autre manière pour corriger cet affaissement est de demander au patient une extension de l'hallux qui, par tension du fascia plantaire, appelé « windlass mechanism », va augmenter la hauteur de l'arche. Nous demanderons ensuite de relâcher le gros orteil, mais en gardant la musculature contractée à l'intérieur du pied, pour soutenir encore une fois l'arche plantaire. Une bonne tension devrait être appliquée à la première tête métatarsienne et non pas au niveau des orteils. On soutient cette contraction durant 10 secondes, et cela plusieurs fois par jour. J'espère que cette capsule vous aidera dans le suivi de vos patients coureurs. Si vous désirez en apprendre plus sur la prévention des blessures en course à pied, vous pouvez le faire en nous contactant à lacliniquedoucoureur.com.